La sécurité fait encore de nouvelles victimes à Port-au-Prince. Le jeune peintre Michel Marat a failli être emporté par une crise cardiaque suite au double meurtre de sa femme et de sa fille. Il venait de présenter sa dernière exposition chez Verelius Art Gallery. Des cris. J'ai cru que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je l'ai vu. Ils l'ont poignardé.
Pourquoi vous tenez à ce que nous procédions à son enlèvement chez lui? Ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus simple de le faire sauter dans sa voiture? C'est ce que ma femme n'arrête pas de me dire. Pourquoi pas? Cela m'aurait privé du plaisir de le voir crever. Ce salaud a tué ma sœur et ma nièce. Votre sœur, je suppose, a dû être quelqu'un de très spécial. Oh oui, elle l'était. Elle l'était. Savez-vous que, peu après sa mort, Michel a essayé de se suicider en 3 reprises? Je vous ferai signe. Merci pour le café. Ça a été un plaisir. Je connais pas beaucoup de gens qui auraient fait ce que tu fais pour Michel. Après tout, ce n'est que ton beau-frère. Justement, cela change tout. Je ne suis peut-être pas aussi affecté psychologiquement que Michel, mais je partage avec lui tout le drame de la disparition de Carla et Camilla. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand j'observe avec quel entrain tu essaies d'aider Michel, le courage que tu y mets, franchement, cela augmente mon admiration pour toi. C'est censé être un compliment. C'en est un. Merci. Et ma cousine, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Ah. Mais il comprendra. Je ne lui ai pas encore dit, mais j'ai décidé d'envoyer Junior avec elle à New York. Le temps pour moi de régler toute cette affaire. Et tu crois que May va accepter de repartir sans toi? Tu n'as jamais revu Michel depuis l'enterrement? J'étais allé le voir une fois à l'hôpital. Je sais que ça ne va pas dans sa tête depuis la mort de Carla et Camilla. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Cependant, ne va pas t'exposer sans réfléchir au danger que tu cours. Ton fils est encore petit et fragile, mais est très attaché à toi. Ne va pas faire l'idiot. Tu ne comprends vraiment pas. C'est la seule façon d'en finir, James. Et tu crois que Michel redeviendra l'homme qu'il était avant, après avoir tué l'assassin de sa famille? Cigarette n'est pas la solution, Michel. Je veux rester seul. Laisse-moi seul. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Je partage aussi ta douleur. Tu ne sais rien de ma douleur. Tu es à plaindre, tu sais. Laisse-moi seul. Oh. Bon, très bien. Je m'en vais dans ce cas. Merci. Hors de question. Je ne repartirai pas sans toi, Jeff. Mais écoute, chérie, essaie de te mettre à ma place. C'est toi qui devrais te mettre à ma place. Mais enfin, merde, pense au moins à ton fils. Tu sais que je me soucie de toi et de notre fils. Mais je ne voudrais pas que vous souffriez à cause de mes choix. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours respecté tes choix.
Là, c'est différent, Jeff. Chérie, ta sœur est morte. Tu dois te faire une raison. S'il t'arrive un malheur, qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Il ne va rien m'arriver, je te le promets. Finalement. Désolé. Nous avons un petit changement de programme. Je dois parler à ton patron. Frank ne peut pas vous parler maintenant. Mes clients ne peuvent pas attendre. Soyez à l'heure demain à l'endroit habituel. N'oubliez surtout pas d'apporter l'argent. Yes, sir. Oh. Quoi de neuf? Le type est prêt pour négocier, Marvin. Ok, dis-lui de me retrouver au club ce soir. À vos ordres. Appelle aussi Sadji. Elle est déjà en route. Ok. Bien fait, Joe. Oh, c'est oui, boss. De quoi me détrouver, Titon, dans moi-même? Titon, monsieur Sonek, man, c'est utilisé fort. Depuis le matin, Powell, monsieur Gaé. Qui caca ça? Qui parle Gaé, ça, monsieur Pinti, là, man? What bomb, Titon, lui, man? Ah, boss, ou pas bomb, vieux, Titon. Ah, vous commencez à rentrer dans vieux nègre? What bomb, Titon, lui, man? Et toi, moi, Titon, il y a la jambe, là, man, lui. Eh, où que tu as mis mon contact à Titon? Oui, mais après, maman, Joe. Yo, nèg la dame base li mwen nou pa. Pa un titon, li m'a blo. Ou pa ka fè bad job sa yo la, non. Kase m'a konnesye pa mwen krede kalon, ou kouta te ou kouta bino. Relax non boss. M'a blo nou tout la grine bagren. Ba de titon nou moun. Ti kote titon ye non. Oh go ghetto la dan, on zam le djou la, nan base grigri yo. Même ka di yo, so a fini la ghetto ou la jetel. Ou mwen ou kouta ba en ou ba en ba, on zam le djou la. Kalon. On ale, on ale.
Ma kon dimanche ti moun pa le matin sa file. Ah piti, ou konnen nou blindé boy ici amen. Wap krasé base. Wap krasé base. Mais je dois m'assurer que vous n'êtes pas un espion. Il n'a rien. Ce type, c'est Martin. Bois doit être funk. Une vraie machine à tuer. Lui, c'est Carlo. Il opère dans la rue. Il était gonti gang, tiba et piti. Selon mes informateurs, Funk contrôle pratiquement toute la résistance du pays. Ce type est un intouchable. Monsieur Marvin, Harold dit qu'on sont professionnels. Et qu'on c'est seul monde qui est capable d'accomplir mission ça. Mais sincèrement, façon qu'on va parler là, j'ai l'impression que au pipe Franck passé, non? Vous êtes amusant, Jeff. Sachez que la peur ne fait pas partie de mon vocabulaire. Bon voyage. On ne peut dire, mais où étais-tu donc passé? Ben, tu sais, j'ai tout touché à fouetter. Très rassurant. Parce que pendant un moment, je croyais que tu te foutais de moi. Allons, Tony. Je suis un homme d'affaires respectable. Tu sais, Franck, dans mon pays, ce n'est pas la bouteille qui impressionne. C'est son contenu. Je vois que tu as le sens de l'humour.
Mais nous sommes pas ici pour rigoler. Deux de mes hommes t'escorteront pour garantir la sécurité de ta marchandise. Je réclame 500 000 dollars maintenant et 500 000 après l'opération. Mais où t'es, prince? Tu veux me baiser là, hein? Surveille ton vocabulaire, Tony. Tu es sur mon territoire ici. Mais on dirait que la gourmandise, la première nature. On avait un rangement tous les deux. Que veux-tu? Les temps sont durs. Et je suis le seul à pouvoir t'assurer une couverture à 100%. Un petit million, c'est pas cher payé pour forcer les autorités à fermer les yeux. Tu es vraiment un salaud, Frankie. Mais un salaud que tu vas payer un million. Fernando, trágame la plata. Okay. Tu veux compter? Je te fais confiance. Messieurs, je vous prie d'excuser mon retard. C'est pas grave. Bon, j'ai pu entrer en contact avec Marvin. Mais j'ai dû payer 10 000 dollars pour cela. Comme je le disais à Michel, je pense qu'il vaudrait mieux laisser Marvin se charger entièrement de cette affaire. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je crois que Jeff a raison. D'ailleurs, ton retour même en Haïti risquerait de provoquer des réactions imprévisibles. Tu ne penses pas? Vous avez tous les deux raison. Mais écoute, Harold. Je tiens à avoir la peau de Frank. C'est tout ce que je désire. Aide-moi à l'avoir. Compte sur moi. Bon. Je crois qu'il faut aborder le vif du sujet maintenant. Combien? Il veut le versement intégral de 300 000 dollars avant l'opération. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Je veux mettre tout le paquet. Très bien. Voici 150 000. Tu te souviens de Fred? Fred Asna.
C'est le jeune collectionneur qu'on a rencontré au vernissage. Excuse-moi. J'ai un énorme trou de mémoire. Je sais. Voici l'adresse de Fred. Il vous donnera la somme nécessaire. Mi amor, para ti. Gracias. C'est comme convenu. Tu donnes l'argent à Jeff. Et merci pour tout. Merci, frère. Ciao. Fréquent. Bon pour toi. Oh, on va me tuer, non, mais on va me tuer. Quand pas ici, on va jouer avec le bleu moun. On va aller carrément m'amener, on met un alim à le baoul. Quand pas faire carrément mon lien, on met un alim à le baoul. Quête, maman. C'est qui est-ce? Ja-ex! Hey, what's up, man? Yeah, ça passe, brother. Yo, bah, man. Ah, où qu'on est? Posé. Attendez, non, téléphone me dit charge. Bon, une minute, support à moi. Ah, dégage, papa. Téléphone est là. Yo, les gars, moi, des pour une base, man. Ah, où qu'on est? Ces derniers temps, on est chargé, man. Chargé. Bon, t'as checké base, où qu'on est? Les gars, brassé! Ah. Posé, m'a venu. Dégage, papa. Yo, déjà. 3 minutes, oui, man. Ok, papa. Yo, brother, on va me saluer. Merci, man.
Écoute, Mitch, je pense que tu devrais avoir beaucoup plus de respect pour l'homme que tu traites de con. Mais au fait, il faut vraiment être con pour se marier avec une pétasse dans ton champ. Qu'est-ce que tu oses me dire? Tu as bien entendu, salope. N'y pense même pas. Tu t'éteins. Nous n'acceptons pas ce genre de marché. Quand on nous paie pour faire le nettoyage, nous le faisons nous-mêmes. Mais je veux bien faire une dérogation pour vous, Mara. Monsieur Marvin, écoutez-moi. Le 20 mars 2003, j'ai vendu toute mon exposition. Je croyais qu'avec l'argent que je venais de gagner, j'allais pouvoir vivre heureux avec ma famille. Mais une ordure en a décidé autrement. Aujourd'hui, peu importe le prix, je veux avoir sa peau. Écoutez, il faut que j'aille aux toilettes, là. Tu veux bien l'amener? Dites-moi, Michel, qu'allez-vous faire après l'avoir tué? J'en sais rien. C'est triste. Pourquoi dites-vous cela? Le fait que vous ne peignez plus. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à la peinture. Il faut se méfier des apparences, Michel. Toujours se méfier des apparences. Comme je l'ai déjà dit à Jeff, Frank n'est pas un ange. Mais que diable, pas c'est diable. Yes, I! T'es fou! Alisha! Où est-ce que tu es? Mais où veux-tu que je sois à cette heure? Chez moi? Mais je sors à peine de chez toi. Tu veux savoir où je suis? Chez Lorraine. Tu n'as pas besoin de me mentir. Je viens tout juste de croiser Lorraine. De toute façon, écoute. Je me suis disputée avec Mitch. Oh là là! Toi et ta belle-mère, vous serez toujours à couteau tiré? Tu débarques à peine, c'est déjà la guerre. Enfin, comme t'es pas chez toi, je dors à l'hôtel. D'accord. Dans ce cas, on se voit demain à clic. Mais on fait chérie, t'es doux, papa. Ne sois pas si ingrat! Je ne suis pas comme toi. Je n'arriverai pas à le tuer. Erreur, Mara. Nous ne sommes qu'un. Non! Non! Je suis tout simplement le reflet de ta rage. Et tant que ta tristesse persiste, ta rage augmentera. Je vais bientôt y rêver. C'est juste un cauchemar. Regarde tes mains. Thank you.
Ça recommence, Jeff. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pris tes médicaments? Oh, diable, ces fichus médicaments. Ah non, reste calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive est démentiel, Jeff. Je crois que tu devrais essayer de dormir un peu. J'arrive pas à dormir. Bon, très bien, alors écoute-moi. Je ne pourrai pas te rejoindre maintenant. J'aimerais que tu arrêtes de penser à toutes ces choses, ne serait-ce que pour une minute. Va au bar de l'hôtel et bois un coup après. Tu m'appelleras pour me dire si tout va bien, ok? D'accord. Pour qu'il soit bête à ton problème comme ça. Ah. Je sais pas des têtes, mais si tu dois être là, va bien. Coup, il y a le jeune Michel. Mais qui soit tête au bio. Dans cas sa tête, m'a pas voulu répondre. C'est étonnant. Qui ça? Regarde. Ça le gagne. Un mélange de drôle, de bravoure et de crainte. Et tu vois tout ça dans mes yeux? À moi, les yeux d'un homme ne mentent jamais. Même les hommes que tu as exécutés? Non. Cela, je n'ai jamais lu dans leurs yeux. Cela te faisait peur? Je ne connais pas la peur, mon chéri. Pas même la peur de mourir. Tuer, c'est apprendre à mourir. Donnez-moi un whisky, s'il vous plaît. Pas un problème, bâton. Vous avez un problème? Pardon? Vous n'avez pas cessé de m'observer depuis un moment. Je trouve cela très curieux. Vous avez une admirable façon de savourer votre lecture. Vous trouvez? C'est que de nos jours, les jeunes ne prennent pas assez de temps pour lire. Et cela m'impressionne de vous voir assise là, en train de lire un si beau roman. Vous lisiez donc à quelle page? Laissez-moi voir. 190. Ah, c'est à la troisième mention. Il n'y a que monsieur qui t'intéresse. Vous savez, il y a dans ce chapitre... Ah non... Vous avez retenu tout le roman par cœur? N'exagérons pas. Mais vous conviendrez peut-être avec moi que Jacques-Stéphane Alexis est l'un des auteurs haïtiens qu'on ne se lasse jamais de lire. Je partage ce point de vue. Je suis Alisha. Moi, c'est Michel. Vous permettez que je vous offre un verre? À la seule condition que vous me laissez vous offrir le premier. Vous êtes un coquin. Bon, très bien. Tu lis encore? Oui. Ça va mieux maintenant? Je me sentirais bien mieux si tu venais me masser le dos. Si cela peut te faire plaisir. Oh oui, ça me ferait surtout du bien. Ça fait du bien. Tu es marié? Je l'ai été. Divorcé?
Je pense que tu devrais partir. J'ai été indiscrète. Pardonne-moi. Je n'ai pas voulu te blesser. Il y a un an de cela, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un terrible accident. Je suis désolée. C'est pas grave. Non, je sais ce que c'est. Je porte moi aussi le deuil de ma mère. Mais maintenant je suis là, je peux t'offrir ce qu'il y a de plus beau dans la vie. L'amour. Tu ne sais pas ce que c'est, petite. Alors, apprends-moi. Non, je t'en prie, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Laisse-toi aller. Non, non. Oh non, sois raisonnable. La chambre de Michel Marat, s'il vous plaît. Hey Michel, tu devais m'appeler, n'est-ce pas? Yo, excusez-moi, Jeff, c'est pas faute, mais c'est vieux somnifère. C'est levé, m'a pleuvé mal, ben là. Savle, viens chachot? Michel, t'as fait bien. Ok. M'absorbe dans 45 minutes. Attendez, non, son email m'a écrit à Walou, il a voulu me dire un mot. Dis-le, il a avancé. À tout à l'heure, hein. 45 minutes. Ok. C'est à qui? Tu as une petite amie? Non, je dois rencontrer des hommes d'affaires. Laisse-moi rester encore un peu. Non, il ne faut pas. Tu dois t'en aller. Bon, très bien, je pars. Surtout ne pense pas que je te chasse. D'ailleurs, je tiens à te remercier. C'était très bien. Toi aussi, tu étais bien. Moi, je quitte l'hôtel ce midi. Je te téléphone, ok? Qu'est-ce qui m'arrive? Chérie, comment ça va? J'ai eu tes messages, mais je ne pouvais pas te retrouver. L'appel, mon amour. Tu sais, je commençais à m'ennuyer de ton silence. Je suis navrée, chérie, mais c'est toi si bien que me tue. Oui, sweetie, je sais, mais tu sais que c'est dur aussi pour moi de passer 3 jours sans te parler. Il est parti. Eh bien, bon, à ce soir, dans ce cas. Maintenant, oui. Ok, parfait, chérie.
Max, avant que je me dépose une jeune sœur de maison. Mais tu es où? Trop dû. Ou pas honte? Je pas songer ça ne t'est pas allé. Mon amour, mon petit chance me balade votre temps. Mon petit chance qui ça? Mais ça m'a dit, on toujours suspect. Betty, on allait non. Montez machine dans ma palle à vos bébés. Montez machine ou encore? Ça ne fait qu'une année le relais. Pas fait scène, Betty. Come on, bébé, on allait non. Ou Betty, pas de map chercher chez une jeune ou la ou fait pas ça ou chez. Qu'est-ce qu'on fait ça? On va mettre la guerre, mais montez ma. Cet homme, on aurait dit le diable de l'amour. Oh, Alisha, prends-moi ma chère. Tu définis toujours les hommes que tu rencontres à partir de leur performance sexuelle. Prends-t'es tout, ma chère. Tu ne comprends pas. Avec les autres, c'était des aventures. Cette fois-ci, c'est de l'amour. C'est pas de vitesse. Ah, Naïm, je repense à ses étreintes. À sa langue qui dévorait mon corps. Ah, Naïm, nest ça t'est trop bon. Mais pas encore, rete. Jeune fille à l'air qui l'est. Ses paroles fait bagaille seulement au cabalé. Gardez ta bonne perdition. Qu'est-ce que tu veux venir ça avec nous? C'est bon? Ou petit, ça nous parle de notre bagaille.